Mad, c'est Sam. J'ai trouvé l'enseignement que tu m'as demandé. Le propriétaire de l'appartement de Marble Street s'appelle Adrian Baker. C'est un ancien chirurgien véreux. Il vendait des médocs en douce à des camés. Avec son pactole, il s'est acheté quelques appartes dans des immeubles délabrés, dont celui de Marble Street. Mais son petit trafic a fini par être découvert. Il a fait quelques mois de prison et il a été radié de l'ordre des médecins. Intéressant. Merci pour l'information, Sam. Compte sur moi, je te rappelle. Salut. On m'a dit que vous vendiez du Betropen. Sans ordonnance. Désolé, je pense qu'on vous a mal renseigné. Au revoir. Attendez. J'ai vraiment besoin que vous me dépanniez. J'ai de quoi payer. C'est par là que vous auriez dû commencer. Je vous en prie, entrez. Alors, comme ça tu cherches du Betropen, ma chérie. Des problèmes pour dormir? Combien il t'en faut? Je sais pas, 3 ou 4 boîtes. Je dois pouvoir te trouver ça. Tu prends un verre? J'allais m'en servir un. Merci, non. La cam et l'alcool, ça va ensemble, non? Et puis, il faut qu'on trinque à notre premier deal. C'est la première fois que je te vois. Qui t'a parlé de moi? Je sais plus. Ma mémoire fout le camp avec tous les médocs que je prends. Je plane les 3/4 du temps. Vous pouvez avoir n'importe quoi comme médicament? Tout ce qui s'achète a un prix, ma belle. Et toi? Est-ce que t'as un prix? Je suis à la recherche d'un appart en ce moment. Vous en avez à louer? Je suis désolé, mais ils sont déjà tous loués. Dommage. Je cherchais quelque chose dans le coin de Marble Street. Tu ne bois pas? En fait, j'ai pas très soif. Bon, je vais chercher ce qu'il te faut. Attends-moi sagement ici. Je serai pas long. Ouh, ce type me colle la chair de poule. Vite, jetez un œil pour voir si je trouve quelque chose avant qu'il revienne. Eh ben... il est parti à la retraite avec des réserves. Il y a de quoi fournir une armée en somnifères. Attends, mec. Cool. Qu'est-ce que tu veux? La cam? Du fric? Dis-moi ce qu'il te faut. Je suis sûr qu'on peut s'arranger. Reste, fils de pute, je vais te crever! Vous voulez me piquer ma cam? Et chez moi en plus! Arrête, tu vas aller sniffer en enfer! Hey, tu vas un peu arrêter de bouger! Oh. filerai tout ce que tu veux. J'ai du fric. J'ai de la cam. Tu veux de la cam? S'il te plaît. Me tue pas, mec. J'ai deux gamines. C'est elle, tu vois? Sarah. Et là, c'est Cindy. La petite. S'il te plaît. Je veux les voir grandir. Me bute pas. Je t'en supplie. Moi aussi, j'ai un fils. Je suis pas un assassin. D'après ce qui est écrit, une trentaine de clients auraient acheté des pièces détachées de Royal ces 10 dernières années. Le tueur est peut-être l'un d'eux. Vous savez, allez les voir un à un et vérifier leur emploi du temps, ça risque de prendre du temps. Sauf si on arrivait à les recouper avec la liste. La liste des abonnés au magazine d'origami, vous l'avez toujours? Oui, mais attendez. Vous! Qu'est-ce que vous foutez là? Norman Jaden, FBI. Je peux vous parler une minute? Ouais. Je cherche le propriétaire d'une Chevrolet Malibu 83 bleue. Je me fous de savoir comment cette voiture est arrivée ici. Ce que je veux, c'est le nom de celui qui la conduit. Désolé, ça me dit rien du tout. C'est pas ce qu'on appelle une bonne mémoire. Je peux peut-être vous aider à vous rappeler. Si cette voiture appartient à celui que je cherche et qu'on découvre que c'est vous qui lui avez vendu, je vous jure que vous allez passer plusieurs années à l'abri de la pluie. J'ai pas vu votre bagnole, ok? Vos menaces à la con n'impressionnent pas. Maintenant, dégagez. La même marque de pneus que la voiture que je recherche. Est-ce que la voiture du tueur est passée dans ce hangar? Harry commentaire. Traces diffuses de pollen d'orchidée à l'intérieur du garage. Des traces de peinture bleue. La même marque de pneus. Pas de doute. La voiture du tueur est passée ici. Du sang. Pourquoi est-ce qu'il y a du sang ici? Les traces de sang mènent vers le bac d'acide. Un collègue à toi me posait aussi trop de questions. Dérouillé, je me le suis fait au fer à souder. Mets tes mains sur la tête. T'as de la chance, j'ai pas le temps de m'amuser. Je vais devoir régler ça rapidement. Capable. Ah! Assez joué! Maintenant, tu vas me dire qui est l'homme à la voiture bleue! Va te faire foutre, tocard! Espèce d'enfoiré, tu m'as pété le nez! C'est ta putain de cervelle que je vais exploser si tu me dis pas ce que je veux savoir! Tu crois peut-être que tu me fais peur? T'oseras jamais tirer! Une balle dans les sens, et on va avoir un joli feu d'artifice, Jack! Eh, hey, tu déconnes, tu vas pas faire ça, hein? On dira que c'était un accident, d'accord? Enfin, moi je le dirais, parce que toi, tu pourras plus vraiment parler, hein, Jack? Merde, t'es un putain de taré, t'es complètement cinglé ou quoi? Je sais rien sur ce type. Il voulait que je le débarrasse de sa caisse sans laisser de traces, et que je lui en trouve une nouvelle avec des fausses plaques. Il m'a payé cash! J'ai pas posé de questions. Je vais prévenir un certain Paco dans un club qui s'appelle le Boulagoone quand la caisse serait prête. C'est tout ce que je sais. On va aller parler de tout ça au poste. T'es en état d'arrestation. Tu as le droit de garder le silence. Tout ce que... Merde. Pas maintenant. Tout ce que tu diras pourra être retenu. Hé, on dirait que t'as un problème, mec. Je pensais pas qu'ils acceptaient les caméos FBI. Mais où va le monde? Va voir, je vais te soulager de ton petit problème de drogue. Définitivement.